Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être les produits que YouTube m'a fait acheter. Premièrement, ça va être les bougies de Yankee Candle Sparkling Cinnamon. Et c'est vrai que YouTube me les a fait acheter. Je regrette pas du tout parce que je les aime beaucoup et je trouve qu'elles sentent très bon. Après, je sais qu'il y a d'autres bougies qui sont peut-être aussi bien et moins chères, mais je les aime bien et elles sont très belles. Voilà. J'ai également des vernis, là il y a trois marques qui ressortent, les vernis Essie, OPI et Mavala. J'ai trois vernis ici je crois et franchement je les aime beaucoup beaucoup. Je trouve que déjà rien que les packaging sont trop mignons et les couleurs que j'ai sont magnifiques. Ensuite j'ai de nombreux OPI parce que je les aime énormément aussi. Et enfin les Mavala, je pense que c'est aussi mes préférés parce que bah, ils sont tout petits, vous pouvez les terminer et vous avez des couleurs très belles aussi. J'ai aussi des baumes à lèvres, ces deux-là viennent de chez EOS, donc j'ai le menthe et le sorbet fraise. Et je les aime beaucoup beaucoup, je les avais achetés aux États-Unis donc ils étaient beaucoup moins chers et je pense que je ne rachèterai pas sur internet même parce qu'ils sont trop chers. Mais ils sont trop trop bien, c'est-à-dire que déjà le packaging est trop pratique parce que c'est en peau mais en même temps vous le mettez directement sur vos lèvres et en plus de ça ils hydratent très bien et ils sont juste trop bien, j'utilise quasiment tous les jours donc c'est des gros favoris. Dernier produit de maquillage que YouTube m'a fait un peu acheter, ça va être le Revlon Color Bust que j'ai en teinte 225. Il est vraiment beau, c'est ma cousine qui me l'avait offert et je regrette vraiment pas, je le trouve trop beau et il est trop bien. Un autre article qu'on a beaucoup vu sur YouTube et qui m'intéressait pas mal parce que à la base j'aime pas tout ce qui est jeans taille basse, j'en avais marre que mes jeans descendent etc. Et quand j'ai vu que bah, y a plusieurs magasins et que même sur YouTube beaucoup de gens portaient des jeans taille haute, je me suis dit pourquoi pas moi. Et du coup c'est vrai que j'en ai reçu quelques-uns qui étaient moyen moyen et finalement j'en ai acheté un chez Pull&Bear et c'est mon préféré je crois. Et j'en ai de chez Asos aussi, je les adore. Donc voilà, c'est un jean noir taille haute tout simple, mais je l'aime beaucoup, je le porte très très souvent. J'ai aussi des bottes, je les trouve trop trop bien, je les aime beaucoup, elles tiennent très chaud. Et je pense que si j'en avais pas vu sur YouTube, j'en aurais jamais acheté. Parce que je mets très peu de talons et en même temps, bah, je trouve que c'est plutôt avantageux d'en avoir quand on fait 1m60. Mais voilà, c'est trop bien. Enfin, je les aime beaucoup et voilà. Pour l'hiver c'est plutôt pas mal. Dernier article, ce sont des Converse basses blanches et encore une fois je pense que si j'en avais pas entendu beaucoup parler je les aurais pas forcément prises. J'aime beaucoup beaucoup les Converse mais là c'est vrai que en voyant tout le monde en avoir ça me tentait pas et finalement je les ai achetées et je les quitte plus du tout, je les mets même en ce moment donc pour vous dire que je les adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous avez acheté par YouTube. Et puis j'ai essayé de sélectionner pas beaucoup d'articles donc si vous en voulez d'autres n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo et voilà je fais gros gros bisous, merci d'avoir regardé. Bye.